بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec un autre sujet بالنسبة للسنة الخامسة للتقييم مكتسبات. L'eau c'est la vie. Le titre du texte, l'eau c'est la vie. L'homme a besoin d'eau pour vivre. Il l'utilise dans ses travaux quotidiens. Sans eau, la vie est impossible. Dans certaines régions, les enfants font de grandes distances pour chercher de l'eau pour boire, évitant de gaspiller ce précieux liquide. Il faut le préserver. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre du texte? Bien sûr, le titre du texte, c'est l'eau. Répond par vrai ou faux. Sans eau, la vie est possible. C'est faux. Nous lisons toujours, nous lisons le texte. Sans eau, la vie est impossible. L'eau manque car les pluies sont rares. C'est vrai. 3. Relève du texte un conseil. Que remplace? Je relève du texte un conseil. Le conseil, il faut évitons de gaspiller ce précieux liquide, il faut le préserver. Que remplace le mot souligné dans le deuxième paragraphe? Le mot souligné, le remplace l'eau. Le mot souligné, le remplace l'eau. Exercice numéro 5. Complète le verbe à l'impératif. Évitons de gaspiller ce précieux liquide. Tu évites, ES, de gaspiller ce précieux liquide. Nous évitons, vous évitez, EZ, vous évitez de gaspiller ce précieux liquide. Mets le nom souligné au singulier. Il l'utilise dans ses travaux quotidiens. Il l'utilise dans son travail quotidien. Pluriel, singulier, pluriel, travaux, singulier, travail. Ici, c'est travail. C'est... Production écrite. Écris un texte de 4 à 5 phrases pour donner des conseils à tes camarades pour économiser l'eau. Emploi, il ne faut pas. Mets les majuscules et la ponctuation si nécessaire. Aide-toi de la boîte à outils. Voici la boîte à outils. Les noms. Le robinet, les fuites, les plantes, la pluie, une douche, un bain, l'eau. Les verbes. Fermer, arroser, laisser, couler, réparer, prendre, gaspiller. Voici la production écrite sur l'eau. L'eau est très précieuse. L'eau est très précieuse dans la vie. Il ne faut pas la gaspiller. Il faut arroser les plantes avec l'eau de pluie. On doit fermer le robinet et réparer les fuites. On ne doit pas laisser l'eau couler. Merci, on n'oublie pas j'aime et commentaires.